Je retiens que la victoire. Je retiens la victoire et je pense aussi qu'on pouvait mieux défendre. Je vais être un peu sévère avec nous. On pouvait mieux défendre. On a vraiment mal défendu. On a pris 84 points à domicile. C'est... Avec les trois matchs qui vont venir là, ça ne va pas passer si on défend comme ça. C'est ça que je vais retenir. Après, il y a des bons chiffres malgré tout. Ouais, c'est 116 d'évaluation en équipe, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne chose, mais voilà, faut essayer de défendre avant tout. Parce que s'il n'y a pas de défense après, je ne pense pas qu'on ira loin. Après, est-ce que le fait que vous ayez eu une très belle réussite en attaque, notamment au début, hein, ça, c'était vraiment bien, est-ce que peut-être qu'inconsciemment vous êtes rentré dans un match d'attaque? Oui, c'est ça, exactement. On s'est un peu relâché parce que, comme au début c'était un peu facile pour nous, on s'est un peu relâché et ils ont mis 84 points. C'est inadmissible. Il y avait quand même un adversaire en face. Hein. Oui, mais bon, quand même. C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup. Vous êtes discret, mais votre performance à vous? C'est encourageant. Essayer de travailler le plus possible pour mieux aider l'équipe à gagner. C'est tout. Tu parlais tout à l'heure, le coach faisait référence à ton pourcentage au lancer ce soir. On sait que tu as travaillé sur ta gestuelle, hein. Tu l'as un petit peu changé, un petit peu modifié. Tu te sens plus à l'aise, on sent qu'il y a peut-être déjà plus de fluidité déjà. Oui, il y a encore beaucoup de travail. C'est, ouais. Les coachs, je travaille beaucoup avec les coachs et c'est le but. Je pense que je peux mieux faire. Je pense que je peux mieux faire et travail continu quoi, avec des coachs, tout ça.